Je vois pas pourquoi il y aurait eu un clash sur Norman et il n'y aurait pas un clash sur Cyprien, le Mongolien. Attends, il y a un mec bizarre là, je crois qu'il fait du stop là. Vas-y, on s'arrête. On s'arrête ? Vas-y, on va le prendre, ouais. Vas-y. Donc toi, tu t'appelles Brice, c'est ça ? Ouais, complètement. Je voulais te demander un truc. Tu ferais quoi pour un pote ? Pour un copain ? Ouais, pour un pote, pour un poteau, quoi. Ouais. C'est important pour toi ? Bah ouais, c'est même super important. C'est pour moi, l'amitié, c'est essentiel, pouvoir se poser avec un pote, parler de tout. Ouais, ta gueule. Et toi, tu ferais quoi ? Moi ? Tu clashes dès que quelqu'un met une vidéo en ligne. Laisse-moi deviner, tu chercherais pas des amis. J'hallucine, tu oses dire Cyprien, le Mongolien. Ok, très bien, rappelle-moi ton prénom. Donc toi, tu t'appelles Brice, c'est ça ? Ouais, complètement. Mais ben tiens, tu dis avoir créé ta marque de vêtements. Mais coller une feuille sur un t-shirt n'est pas suffisant. Insulter les gens pour exister, je sais que c'est tentant. Mais fais autre chose de ta vie. Tu viens d'avoir 30 ans. Ça y est, ça me revient ta tête d'obèse moqueur. On était ensemble au CP, mais t'étais déjà majeur. Quand on recherche ton blaze, donc Google Images, on apprend tout sur toi, rien que sur la première page. Tu dis rappeur, mais ta carrière décolle pas d'un pouce. La seule scène que tu montes, c'est sur un bateau mouche. Retourne à l'école, tes vidéos en s'en tape. T'écris pas une ligne sans faire une faute d'orthographe. Tu veux absolument me rencontrer. Tu m'as donné rendez-vous sur les Champs-Élysées. Mais y'a que des touristes et des pickpockets. Tu fais partie desquels, j'ai ma petite idée en tête. Retourne à télé, dessin animé, Cortex t'es qu'un minus. Si ta vie est une ligne de bus, pour toi c'est le terminus. Pas la peine de me répondre tellement ton niveau est minable. Va clasher ma grand-mère pour un niveau équitable. T'as aucun talent et tu parles fort, tu veux te faire remarquer. Bref, tu sais que t'es officiellement le Magloire du rap français. Brice. Désolé, je voulais pas te clasher. Ma mère m'a toujours interdit de taper sur les handicapés.